Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai fait ma dernière vidéo, date du 1er juin, et je suis allée faire un petit tour dans mon potager et tout a doublé voire triplé de volume parce qu'en ce moment on avait beaucoup d'eau ici, on a pas mal d'orages et 2 jours de pluie, donc du coup tout a poussé et je vais vous montrer ça. Alors, du coup, j'ai regardé ma vidéo du 1er juin et j'ai fait quelques captures d'écran pour vous montrer la différence avant-après en 15 jours. Alors là, je suis dans ma caravane, ma rapido, et donc c'est une rapido pliante pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, j'ai fait un petit check-up parce que avec toutes les pluies qu'il y a eu ces temps-ci, je pensais qu'il y aurait des fuites. Et en fait, pas du tout. Alors, le vent se lève, la pluie arrive, on va essayer de faire vite. Donc, retour sur le devant du potager. Alors, ça, c'est ce que j'ai eu pour la fête des mères. J'ai des petits accessoires bien sympathiques. Nous allons rentrer. Et déjà, quand on arrive, tadam, il n'y a plus la bâche bleue. Alors, j'y ai planté tous mes cucurbitacées. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une bestiole qui vient de creuser là. Je pense que c'est un chat. Et j'ai mis un arrosage automatique au goutte à goutte. Du coup, il y avait assez long pour mettre au niveau de mes poivrons. D'ailleurs, il y a plein de poivrons qui sortent. Je ne sais pas si vous voyez. Ça n'a pas marché sur tout. Alors, c'est marrant parce qu'hier, je suis venue planter quelques salades qui sont là et j'ai pas vu les poivrons. Il y en a sur quasiment tous les pieds. Donc voilà, et là j'ai fait un semis de haricots tout le long. Haricots beurre. Donc là je viens de me retourner. Les capucines ont bien poussé. Il y a un peu de bruit en fait, c'est parce que j'ai un voisin qui est en train de faire monter des panneaux solaires. D'ailleurs, il pleut, ils viennent de découvrir la toiture. J'espère qu'ils ne vont pas être embêtés. Enfin, il pleut, il va pas tarder à pleuvoir. Donc voilà, les tournesols ont poussé. Alors, les ignas aussi. Après, j'ai un peu de tout. La dernière fois que j'ai tondu, j'en ai profité pour pailler. Donc ce côté, pour l'instant, se porte plutôt bien. Tout a vachement poussé. Et là, pareil, fête des mères. Hôtel à insectes. Bon, il n'y a pas d'insectes dedans. Je ne sais pas. Il y a peut-être une hauteur à respecter ou non. Ensuite, nous avons les autres pommes de terre, les dernières que j'ai plantées. J'aurais dû le noter parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait. Donc j'avais passé la tondeuse et là, c'était ce qui restait encore sous la bâche, un endroit propre. Donc du coup, j'ai gratté un peu et j'ai semé des fleurs jaunes, je ne sais plus le nom. Qui fera du bon foin pour merguez et qui aussi sert d'engrais vert. Et là, on arrive à la partie tomate tournesol. Alors, les tournesols, ça y est, ils sont plus grands que moi. Il n'y a toujours pas de fleurs, donc ils vont continuer à pousser. Elles sont énormes, les feuilles. Elles sont pas attaquées. Et j'en ai un où les feuilles sont encore plus grosses. Truc de fou. Donc là nous avons des radis qui montent en fleurs, c'était les radis boules. J'ai fait un peu le ménage dedans, il me reste moins de salade. J'ai replanté quelques salades. Et ceux qui connaissent un peu le basilic, s'ils peuvent me guider, j'ai mon basilic, mais les feuilles retombent pas, enfin font pas comme ça quoi. Faut pas cloquer dans le mauvais sens, enfin dans l'autre sens. Et puis ils ont l'air de végéter un peu. Donc voilà, sinon les pieds de tomate, ça donne bien. Les courgettes, c'est parti, ça fleurit de partout. Donc maintenant, faut plus qu'à attendre que ça pousse. En espérant que les fleurs femelles aient été fécondées. Persil. Au milieu, c'est des haricots verts porte-graines, on va dire.
Donc oui, je vais caler des photos avant après. Hein. Je sais pas trop où on est. Donc là, oui, j'ai ce pied de tomate. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Il est pas malade. Hein. Il y a toutes ces feuilles qui sont recroquevillées. Mais bon, il a l'air d'aller plutôt bien. Il y a même une tomate qui pousse. Les oïdindes, magnifiques. L'autre pied de courgette, qui est énorme aussi. Il y a des courgettes partout. Un truc de fou. Donc voilà. Le tour du potager. Bon, vidéo assez rapide quand même. Hein. Lui, ben, il végète aussi. Et là, ben, j'ai deux pieds de courgettes. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils poussent, hein, les petits fruits, hein, mais ils sont pas vigoureux hein, comparé aux autres. Hein. Je comprends pas. Donc là, hop, je crois que j'avais une photo comme ça. Donc ça, j'ai mis trois concombres, trois pieds de concombres. Les salades, elles ont commencé à monter. Enfin, là, ça va être la fin des salades. Je plante ce que j'ai et après c'est terminé. Et là, je vois la betterave qui est bien avancée. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il faut les ramasser. Il y a celle-là aussi qui est pas mal avancée. Donc voilà ma planche de poireaux-carottes. Bon, ça y est, ça pousse un peu quand même. J'ai ressemé des carottes là et ils ont l'air d'être partis avec une autre méthode. Et là, j'ai mis ce qui restait dans la mini-serre là. Donc j'ai des pieds de tomates, des œillets, je crois que c'est des tomates cerises. Ensuite, j'ai fait un rang de salade. Et là, j'ai mis mes 4 pieds de courgettes qui me restaient. Qui ont l'air de végéter aussi, mais je crois qu'ils sont restés un peu trop dans les pots. J'espère qu'ils vont reprendre. Et là, ici, bah, du coup, j'ai fait parce que c'était paillé, en fait. Et du coup, j'ai mis que des fleurs. Voilà. Un pied de menthe qu'on voit là. Puis voilà quoi. Ah oui, un pied de poire melon pépino. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Alors, je veux quand même vous montrer mes radis. C'est un truc de fou, j'ai des radis de compète. Ils sont bons. Pas, ils ont pas goût de racines. Voilà, je suis ravie de mes radis. Donc là pareil, des salades à l'ombre des pieds de tomates. Voilà, bon ben voilà, c'était un rapide tour du potager. Vous avez vu le principal. Là, on va avoir encore une semaine de temps mitigé. Et après, normalement, les beaux jours devraient arriver dans les 30 degrés à partir de mercredi de la semaine prochaine, pas là. Donc, je vais pouvoir tondre, parce que comme vous avez vu, j'ai tourné la caméra. Hop, comme vous avez vu, j'ai fait que des chemins en fait, et j'ai laissé de l'herbe un peu partout pour pouvoir me faire du paillage pour le potager après. Donc voilà, ça sera dans 15 jours je pense, tonte générale et tout pailler le potager en vue du mois de juillet. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, salut.